Wesh, le Homie Gang, c'est votre gars Sam, a.k.a. The Homie. On est reparti avec un 3 en 1, comme d'habitude les dimanches soirs. Alors, 3 artistes aujourd'hui, Damso, Kershak et un artiste que vous connaissez déjà, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, que je trouve très bien et qui nous vient du Canada. Donc on va découvrir ça ensemble, on va commencer par le petit artiste, on va jauger, ok. Après on va passer sur le gros, qui est Damso, et après on va terminer avec Kershak. Alors, petite précision avec Damso, parce que là, je n'ai pas encore tourné à la fois... Enfin, je tourne Teddy Relax et je dois tourner Kershak. Damso, j'ai déjà tourné, mais j'ai eu un problème de son. Donc, par moment, ça sature, je suis désolé. Le micro, parfois, il a des galères, je sais pas pourquoi. Donc, franchement, désolé pour ça. Pensez quand même à lâcher un petit like si vous passez un bon moment devant cette vidéo. On est parti avec ça, Teddy Relax en 1. Let's go! J'en dis que peu, quand on marche ça m'émeut. Dis qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Force pas, il s'agit pas de faire comme moi. Fais ce que tu peux, moi j'ai clenché les épreuves. J'ai appris d'un de mes vieux que faire le fou te fait devenir une tag. Tu vas te faire toucher. Trop des gens face mais ils refusent de le voir. Je crois qu'ils se mettent à loucher. Ok. Alors ça fait un très long moment qu'on n'a pas parlé de lui sur la chaîne. Moi c'est rien que j'écoute en privé de base, parce que vous savez, pour ceux qui savent, vous savez. Déjà le niveau du clip, le premier rendu déjà du clip comme ça là, dès les premiers plans, c'est assez différent de ce qu'il a l'habitude de faire. On sent une espèce de créativité du coup qu'il veut injecter. Ça c'est clair hein, tout de suite. Tu as des petits plans chaleur, tout ça. Ok, j'ai l'impression qu'il a peut-être un peu compris qu'il fallait créer une espèce d'univers propre à lui, tu vois. Et je trouve que visuellement et à l'écoute, il arrive quand même à retransmettre ça, je trouve. À la dure, produit brut avec la sève, le texte est cru, ça t'a pas plu. Souffle encore, t'as pas fini, te prendre des verres, t'étais pas mûr. Je parlais à une bad bitch, elle me parlait d'astrologie. Je me suis levé, je pendais dur, ça l'horoscope l'a pas prêté. À ce bro, quand t'as besoin de lui, il s'évapore comme l'eau. Mais c'est une ro, avait besoin d'un rein, il courait au galop. On va se les faire, ouais, désormais. Hey! Hey gros, GG pour le clip. Je vois qu'il y a une volonté d'essayer de produire un bail un peu différent. Au niveau du flow, c'est un délire un peu fantaisiste dans sa voix. Non, franchement, GG, c'est pas un truc redondant. C'est un truc qui veut paraître un peu vraiment différent de ce qu'on voit habituellement. Donc peut-être qu'il a trouvé peut-être une autre voix. Yeah. Avec l'impression qu'elle ne me vise au snipe. T'es dans ma tête, imagine c'était vrai depuis tout ce time. Mais si on touche, faut que tu t'écroules comme un château de sable. Oui, j'ai une mise en échec, bitch. Drop him on the ice, easy. Hey. Franchement, je crois que c'est l'un de ses meilleurs clips qu'on fait sur la chaîne. Moi j'en dis que peu, quand tout marche, ça m'émeut. Dis qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Force pas, il s'agit pas de faire comme moi, fais ce que tu peux. Parfois la prod me fait penser à un son connu. Juste le petit son en fond. Dans la prod. Ça peut penser à un truc, soit un film, soit un son que je connais. Mais en tout cas, le petit, c'est quoi déjà? On dirait un sample, c'est léger, hein. Mais un truc, ça me dit un truc. Mais vieux que faire le faux te fait devenir une tag. Tu vas te faire toucher. Toucher. Trop des gens fans, mais ils refusent de le voir. Je crois qu'ils se mettent à loucher. Hey! Ah.
franchement, pour avoir parlé de ce mec 3-4 fois sur la chaîne, les frères, et pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y en a qui connaissent et qui écoutent même, il y a une vraie progression, je trouve. C'est bien parce qu'à chaque fois qu'on repart de lui, tu vois, je trouve qu'il y a une amélioration. Là, t'arrives, tu commences vraiment à dégager un univers un peu, tu vois. Et c'est là qu'on voit qu'on a beau dire, ouais, les clips, c'est de moins en moins important. Moi, je trouve que c'est toujours important, surtout dans le développement d'un artiste. Là, chaque plan veut t'amener à penser à un truc spécifique, tu vois. Même son flow sur le son. Les sons qu'on a fait de lui avant, c'était des flux un peu plus rappés, même si il maîtrisait déjà un peu ce côté chantonnant, là. Sauf que là, c'est même pas chantonnant, c'est chantonnant, mais fantaisiste, tu vois. Donc, franchement, GG, j'aime bien le son, j'aime bien la prod. Elle est pas évidente à aborder, cette prod-là, parce que c'est pas une prod que tu peux trouver à tous les coins de vidéos de YouTube, hein. Mais franchement, GG, à tous les niveaux, c'est qualitatif. Il y a un gap de progression, on va dire ça comme ça. Dites-moi comment est-ce qu'on avait pensé de ce son, les frères. N'hésitez pas à lui donner de la force. Mettrez le lien de son clip en commentaire épinglé. Mais ouais, franchement, GG, frérot, GG. Je pense que t'es sur la bonne voie. Continue comme ça, t'es sur la bonne voie. Fuck you! Shoot dans la peau, Denis Okios par les drones, Martin Malcolm Thomas, Pedoji Os par les choses. Ennemi dans le vice pour la maille, collabore sur le jambe, corruption, c'est fini. Dans une guerre pour la même cause, Colin et le seul en rose. Toujours parmi les siens, un iso qui balance, maître choix, j'avance, change l'heure, C'est que l'intro. En vrai, c'est que l'intro. Le son, il joue plus de 2 minutes, 2 minutes 35. Non, le connaisseur peut nous faire ça. Le connaisseur peut nous faire ça 2 minutes 35. Je vous promets, les gars. Les gars! Oh, j'en ai marre de Damso. La vidéo, j'en ai marre de lui! Ça fait 50 ans qu'on attend que ce mec revienne à un truc normal. Ok, on a capté que tu vas être un artiste au sens propre du terme. Mais chef. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, si ça dure 2 minutes, je vous dis tout de suite, c'est rincé. Voilà, je ne vois pas écouter les sons de 2 minutes de cette allure-là. You! Balance, maître choix, j'avance. Le truc ça fait trop de trucs de bad bitch. J'en ai apparence. Ok, oui, Louis Gucci, Nizo, achète Chanel pour la lady. Avec l'argent volé du peuple, la femme est priée, mais oui, faut que prier, mais oui. Pourtant, moulin sort pas de la gueule, c'est vrai, oui. Wow, wow, négro, y'a pas de respect, négro, y'a pas de respect, comme celle qui a ton faire bien comme. Ça sonne grave, genre vraiment une intro. Ça sonne beaucoup plus comme une intro, genre de projet. Ça si c'est juste la première track d'un projet, en vrai, je peux. C'est un délire intro. C'est que les artistes, ils aiment bien faire des trucs souvent chelous en intro. Donc, je pourrais, si c'est que l'intro du projet, on me dit oui. Comme celle qui attend de faire Ken pour dire qu'elle aime bien rester. Wow, négro, y'a pas de respect. Négro, y'a pas de respect. Comme celle qui attend de faire Ken. Comme celle qui attend de faire Ken pour dire qu'elle a une MST. Salope. Damn. Beat switch. Ouh, on est passé sur la drill. Ouais. Hein? Pas très éclairé par ici, on dirait que c'est plutôt noir. Je suis venu, j'ai vu, j'ai baissé sa mère comme César. Donc. J'ai parlé trop vite. Ok. 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 C'est pas très éclairé par ici, on dirait que c'est plutôt noir. Je suis venu, j'ai vu, j'ai baissé sa mère comme César dans Cléopâtre. Oulala non, je ne laisse pas de témoins. Trace de canon dans l'examen rétinien. La bagarre des négros fâchés, fumant le hachis, traînant le soir. Coup de pète dans la mâchoire. Trop de schneck que je pèse en aléatoire. Quatre planches sous le gravier, quelques roses pour faire genre en a pensé à. Il a déjà eu la position des pros comme ça par le passé. J'ai une pro délire un peu drill comme ça. Damn, là c'est mon gars qu'on retrouve. Oh yeah. Toi, trop la bouche, je te disrespect. Ouais, j'aime quand le son s'étale, le clic. Bang, bang, tu tailles, snitch. Pas la peine de j'comme les bailleux. Toujours enculé, une butte, j'artournais le système. Négro, faut que l'impôt plus 500 000 euros le clip. Assistance, tu craignes, chef Chenko. Oui, les caméras protègent des voleurs, des braqueurs et protègent de monsieur l'agent. Gros, t'as même pas percé quand dit déjà que tu rappais mieux avant. Bon, t'as même pas personne déjà que tu rappais mieux avant. MT. Dance, 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 dance.
Yo, Chevy. Ça sonnait pour moi trop comme un délire intro, par contre le switch beat ici, je kiffe de fou, frère. Alors, franchement, là, on retrouve une petite... un petit air de ce qu'on connaît des Damso, tu vois. On retrouve un peu, je m'identifie un peu plus à cette partie. C'est pas très éclairé par ici, on dirait que c'est plutôt noir. Je suis venu, j'ai vu, j'ai baissé sa mère comme César dans Cléopâtre. Oulala, non, je ne laisse pas de témoins. Trace de canon dans l'examen rétinien, la bagarre, des négros fâchés, fumant le hashish, traînant le soir. Coup de pète dans la mâchoire, trop de schneck que je pèse en aléatoire. Quatre planches sous le gravier, quelques roses pour faire genre en a pensé à toi. Trop la bouche, je te disrespect, ouais, j'aime quand le son s'étale. Le clic, bang, bang, tu tailles, snitch. Pas la peine de j'comme les bailleux. Toujours enculé, une butte, j'ai retourné le système. Les gros, faut que l'impôt plus 500 000 euros le clip, assistance, qui craigne, chef Chenko. Ouh, les caméras protègent les voleurs. Bro, I like it, j'aime bien. Les braqueurs, elles protègent de monsieur l'agent. Gros, t'as même pas percé quand dit déjà que tu rappais mieux avant. Ouais, dance. Alors après, dommage parce que je trouve que, je pense que l'intro va mettre, enfin le début, la première partie va mettre beaucoup de personnes en voilà, demi-teinte, je suis pas, tu vois, mais je pense que la deuxième partie met tout le monde d'accord. Il a pété dégueulasse sur cette prod drill comme ça là. Franchement, je trouvais ça intéressant. Peut-être qu'il y en a, il y en aura plus dans le projet. En tout cas, sincèrement, début de son, je suis pas trop dedans. Mais il y a toujours un côté artistique, on le connaît déjà. Après, je trouve que ça dure un peu trop, tu vois. Le son, il dure 2 minutes 35. Fais ça 30 secondes. Et au bout de 30 secondes, tu nous rends dans le son, le beat, il drop directement. Là, quasiment, le beat, le vrai beat arrive au bout du milieu de son, quasiment, tu vois. Donc, 30 secondes de ça, ok. Mais je trouve que ça, c'était trop dans la longueur. Mais, malgré tout, je trouve que c'est... Je veux pas dire que c'est un bon son, parce que c'est intéressant, tu vois. Il est court, c'est difficile de se positionner. Mais, en tout cas, moi, ça me met de l'appétit. Tu vois, j'ai envie de voir ce qu'il va proposer sur le projet, les frères. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes dans le même ressenti que moi aussi, vous kiffez totalement le son, vous détestez le son, ou vous trouvez qu'il est devenu gaze, etc. En tout cas, moi, je trouve que sur la seconde partie de son, on retrouve de ce qu'on connaît. On retrouve le rappeur qu'on connaît. On connaît cette façon d'approcher la prod, cette façon de poser, cette agressivité, cette saleté dans l'écriture. Je trouve que c'est un Damso auquel on se rapproche, enfin, dans lequel on se reconnaît beaucoup plus, tu vois. Donc, dites-moi en commentaire, je vous laisse avec le prochain son. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, comme d'habitude. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Never give up. Cocaïne. Kershaw, ça fait un moment qu'on a peut parler de lui. Je suis déjà chez elle. Cocaïna, elle a mis la pure dans son joint. Je suis déjà chez elle. Cocaïna, elle a mis la pure dans son joint. Ça fait même pas une heure, je la connais, je suis déjà chez elle. Cocaïna, elle a mis la pure dans son joint. Les gars, j'ai une question. Est-ce que vous trouvez qu'il est bien en train de réussir à... Bon, là, on est en début de son, hein. Mais est-ce que vous trouvez que pour ceux qui l'écoutent régulièrement, est-ce que vous trouvez qu'il est parvenu à correctement se détacher de ce truc jersey? Parce que je pense là, on n'est pas sur de la jersey. Qu'est-ce que vous en pensez? Du démon à l'intérieur, j'y ai laissé du démon. J'ai laissé des frères, des tepus et des démons. Je regarde pas derrière du moment où je démarre. Je ne retourne pas du moment où j'ai pris la route. Et si Dieu a un plan, dis-moi qui l'arrête. Arrête tes grands gestes et tes cimes. Big fat, si Dieu a un plan, dis-moi qui l'arrête. Tell me who, don't stop me, man. On va critiquer, mais le petit n'aura rien parce qu'il est mineur. Y'a du rouge et du blanc, c'est pas l'athlétique. Y'a du noir et du rouge, c'est pas là, c'est Milan. Y'a du sang sur le sol, plus de reflet sur le mur. La bugue elle craque comme si dans le joint y'avait la bugue elle craque. La bugue elle craque comme si dans le joint y'avait la dure. Ça fait même pas une heure, je la connais, je suis déjà chez elle, je suis déjà chez elle. Cocaïna, elle a mis de la pure dans son joint. Elle a mis de la pure, je suis déjà chez elle, je suis déjà chez elle. Cocaïna, elle a mis de la pure dans son joint. Ok, j'aime bien la prod. J'avoue, c'est drastiquement différent. Il est beaucoup plus slow, un peu une grosse voix, un peu grave, un peu comme ça, mais en même temps, c'est pas grave, genre agressif, mais grave, assez doux. Je connais, je suis déjà chez elle. Même pas une heure. Même pas une heure.
Ok. Yo, bo! On est dans un délire horreur ou bien... Yo, non, j'aime bien le délire, hein. J'aime bien aussi la recherche au niveau du clip, ça diffère, voilà, on n'est pas inscrit un truc en quartier, voilà, ça diffère, donc j'applaudis la créativité. Après, le refrain, il rentre vite en tête. Hein. Je trouve que le refrain, il rentre quand même assez vite en tête. limite, c'est vraiment cocaïna. Ça revient quand même assez vite, en fait. Limite, les couplets, tu les zappes rapidement. Et le truc de cocaïna, c'est vrai que, ouais, c'est accrocheur. Je la connais, je suis déjà chez elle. Cocaïna, elle a mis la pure dans son joint. Hey chef, y a quoi avec les plans comme ça là? C'est comment? Hein? Faut calmer. Des grands plans si difficiles. C'est quoi le délire là? Ok, bon, je trouve que c'est un son intéressant. Je souligne vraiment l'aspect créatif derrière. C'est vraiment agréable. Le refrain qui est assez prenant. Les couplets sont intéressants. Pour autant, est-ce que c'est un son que je pourrais écouter? En fait, vous savez comment j'écoute les sons? J'ai besoin immédiatement de me mettre dans la position de me dire en fait, ok, c'est bien, mais j'écoute ça dans quel contexte? Est-ce que c'est un son genre posé? Je peux écouter normal comme ça, genre je suis posé. Est-ce qu'en faisant du sport, est-ce qu'en étant dans une voiture, les transports, etc. Ouais, je pense que c'est un son que je peux écouter dans diverses conditions. Il est agréable, il y a rien qui me sort, il est pas transcendant non plus, voilà, vous me voyez pas non plus transcendant en mode, mais voilà, c'est un son intéressant, c'est un son intéressant. En tout cas, merci de m'avoir regardé les frères, dites-moi en commentant des pensées. Je pense que c'est tout un dimanche assez tranquille, hein. Pensez à lâcher le petit like, merci du soutien, on se capte rapidement.